Aujourd'hui, il est important de se différencier dans vos structures, vos instituts de beauté ou votre lieu où vous travaillez dans les spas. Il est important de différencier votre carte de soins pour un soin signature. Le soin signature est le mot-clé, la réussite de votre centre. Pourquoi ? Parce que c'est votre identité, c'est vos valeurs. Vous allez vous différencier par votre massage, mais également par la texture des produits que vous allez utiliser. Vous travaillez, un exemple, vous travaillez autour des vignes, autour des champs, vous pourrez utiliser le raisin, vous travaillez devant les abricotiers du Languedoc-Roussillon par exemple, vous pouvez utiliser de la matière à côté des huîtres, à côté de l'étang de Thau, vous pouvez utiliser également des huîtres de coquilles, d'huîtres exactement. Toutes ces textures, toute cette matière pour faire votre propre soin signature vont faire votre force. Votre force et votre valeur, comme je l'ai dit précédemment, vos valeurs, votre identité. Vous allez vous différencier par rapport aux autres structures. Vous allez amener un bénéfice autant dans votre moyen financier, mais également dans votre pratique. Pourquoi ? De plus en plus, vous êtes amené dans votre carte de soins à faire des massages du monde. C'est parfait, c'est bien, c'est beau, mais tout le monde le fait. Vous seul, vous êtes la clé en main de votre réussite professionnelle. Différenciez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes professionnel, vous avez des diplômes en esthétique, peut-être également aussi des formations complémentaires encore. Se développer est votre force. Avoir ce massage signature sera la valeur, l'identité propre de votre structure. Avant tout, il faudra se rapprocher de l'agriculture, des vignes, de la texture, mais également vous rapprocher de l'écologie. C'est important, on en parle de plus en plus. Se rapprocher des commerçants, de votre région. Le territoire est important de nos jours pour votre centre, votre institut de beauté, vos spas. Se rapprocher humainement des gens, se rapprocher également de votre région et de l'identité propre de la France. La France a énormément de matière. Votre territoire où vous travaillez dans vos régions ont également des valeurs à apporter à votre structure. Travailler ensemble, c'est travailler bien, et travailler pour tous, c'est encore une force. Voilà.